face look out for you. That's what I'll do. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. On va passer une semaine ensemble. C'est la toute première fois que je filme ce genre de vidéo. J'espère que vous aimerez. En tout cas, moi, je suis déjà trop contente de savoir qu'on va passer la semaine ensemble. Je sais pas pourquoi. Ça me met de bonne humeur. Ce matin, j'ai fait un vide-grenier et une brocante. J'ai trouvé des petites pépites. J'ai trouvé 3 pièces au total, dont une qui est pour ma maman. Et c'est la première fois que je faisais un vide-grenier et une brocante. Enfin, en vérité, c'est la deuxième fois, mais la première fois, j'avais rien acheté. Et c'était il y a assez longtemps. Je dirais, c'était il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Depuis, j'en avais pas refait. Bien sûr, entre-temps, j'ai acheté des choses en seconde main, mais c'était sur des sites de seconde main en ligne. Là, c'est la première fois que j'ai acheté vraiment des choses de seconde main dans une brocante et un vide-grenier en physique. Et j'ai adoré l'expérience, c'était trop chouette. Donc j'ai trop hâte de réitérer l'expérience. Et d'ailleurs, je crois qu'à Lyon, il y a une sorte de brocante, vide-grenier, marché aux puces, je sais pas trop comment on appelle ça, un peu un tout-en-un de seconde main, qui est ouvert à peu près tous les jours. Et je crois, si je me trompe pas, que ça s'appelle les puces du canal. Donc je pense que je vais y aller dans la semaine et on ira ensemble, parce qu'on passe la semaine ensemble. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question, on commence cette semaine un dimanche. J'ai décidé que je voulais passer la semaine avec vous et commencer cette semaine un dimanche. Et c'est pour ça que je suis allée faire une brocante ce matin, parce que les brocantes en général, c'est dimanche. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi dans mes petites aventures. Comme vous le savez, ce sera des aventures qui restent très simples, parce que ma vie, elle est simple, elle est banale. Mais j'aime bien partager ces petits moments de vie avec vous. Quand on apprend à apprécier les petites choses simples de la vie, bah ça rend trop heureux. Bon, fini de papoter, je vais vous montrer les petites pépites que j'ai chinées en brocante. Tout ce que j'ai chiné se trouve dans ce gros panier. Et comme je vous disais, j'ai chiné 3 pièces, dont une pour ma maman. Et la toute première pièce, c'est vraiment ma pièce favorite, je crois. C'est un moulin à café de la marque Peugeot. Et j'en voulais un, mais genre vraiment depuis tellement longtemps. Et je suis tombée sur celui-ci que j'ai trouvé magnifique. Il est en très très bon état. Bon, il y a un peu de poussière, clairement il est sale. Je sais pas si c'est ce genre de pièce que vous aimez ou pas, mais en tout cas moi les petits objets anciens comme ça, très vintage, très... j'aime trop. J'aime trop et il a déjà une place dans ma cuisine et surtout dans mon cœur. La deuxième pièce, c'est tout simplement un deuxième moulin à café. Cette fois, il n'y a pas d'estampille comme sur l'autre. Hop. Vous pouvez le voir. Donc celui-ci, c'est le moulin à café que ma maman a choisi. Je le trouve vraiment trop mignon. Et dans la cuisine de ma maman, ça ira trop bien aussi. La dernière chose que j'ai chinée, c'est de la vaisselle. C'est un ensemble de pots. Et quand je l'ai vu, j'ai tout de suite craqué par ce côté un petit peu rétro. Et je vous montre. Tada ! Voilà, j'aime trop ce petit pot de farine. Et à l'intérieur, quand on ouvre... Donc il y a tous les petits couverts. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, il y a les bébés pots. C'est trop mignon. Donc celui-ci, c'est le pot pour la farine. Il y a le pot pour le café. Ensuite, il y a le pot pour le thé. Et à l'intérieur, pour le poivre et pour les épices. Vraiment, quand j'ai vu ce petit ensemble, je me suis dit, ça c'est pour moi, il faut absolument que je l'achète. Et j'ai craqué. J'ai craqué, je vois trop... ces petits objets dans ma cuisine. Je vais attendre d'être à Lyon pour les installer avec vous. Et comme ça, vous verrez le résultat. Parce que peut-être que là, vous n'êtes pas convaincu, mais je vous jure que quand vous allez le voir dans ma cuisine, vous allez tout de suite dire « c'était pour la cuisine de Claire ». Ça, ces objets-là, ils étaient faits pour la cuisine de Claire. C'est trop mignon. J'aime trop regarder ce petit pot épice. Oh là là, je craque. Je suis trop contente de ces petits achats du jour. J'ai trop hâte de retourner
en vide-grenier et en brocante pour faire des petites affaires comme ça. Je vois Vénus qui est en train de courir dans le jardin, elle me fait trop rire. Elle est tellement heureuse ici, ça change de Lyon clairement. Mais bon, on retourne à Lyon demain, donc il va falloir qu'elle s'y fasse. Et elle va retrouver son petit appartement, ça lui change du grand jardin qui est ici. Elle va retrouver ses petites habitudes et puis elle va retrouver ses petits copains. Tout est doux ici, tout est beau et je suis trop heureuse. Je crois que j'aime bien comme ça. Ça change pas énormément comparé à avant. En gros, j'ai juste rajouté les pots en dessus au niveau de mon étagère avec le petit moulin à café. Et en bas, j'ai juste rajouté le pot à café ici avec mon moulin à café que j'utilise quotidiennement. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien ou pas. Je vous fais un petit update de mon top en crochet. J'ai réussi à finir de crocheter le derrière et le devant. C'est pour vous montrer un petit peu ce que ça va donner. Donc je ne les ai pas attachés pour le moment. J'ai juste mis des petites pinces comme vous voyez pour relier les deux parties. Mais vraiment je commence déjà à être trop fan. Ça va être trop beau. Le résultat va être canon. Dans un premier temps il faut que je relie les deux parties. Donc il faut que je crochette à ce niveau là et sur les côtés. Et en fait, au niveau des bras, il va falloir que je crochette les manches. Et ensuite, ça sera en manche longue. Et je pense que je vais faire à peu près le même motif qu'il y a ici. Donc, je vais alterner les bandes de noir et les bandes blanches. Et vraiment, ça va être trop canon. Très bon ce petit café glacé. J'ai passé littéralement la journée à bosser sur l'ordi et sur la tablette, je n'en peux plus. J'ai envie de faire un bon coup de clean et de ménage à l'appartement parce que c'est le bazar, il y en a partout. J'ai reçu des tout nouveaux produits pour faire le ménage et j'ai trop hâte de vous montrer et de vous en parler. Donc on va voir ça ensemble. Bon, la marque dont on va parler aujourd'hui, c'est Everdrop. Je connaissais déjà la marque de nom, mais j'avais jamais utilisé leurs produits. C'est des produits d'entretien qui se trouvent sous forme de petits sachets comme ça, dans lesquels il y a de la poudre. Et il suffit juste de mettre la poudre dans les flacons réutilisables avec de l'eau mélangée et on a nos produits d'entretien. Je trouve cette solution géniale. Ça permet de ne presque avoir plus aucun déchet issu de finalement de l'entretien de sa maison.
Donc c'est chouette. J'aime trop découvrir comme ça les produits avec vous. Les premiers produits que j'ai ouverts, c'est juste des boîtes. Ensuite, dans le colis, il y avait hop, des petits flacons comme ça pour justement faire le mélange des produits. Ensuite, dans le colis, il y a plein de petits sachets dans lesquels il y a de la poudre que je vais devoir mettre dans les flacons et mélanger avec de l'eau. Et une fois que j'aurai fini le produit qui est à l'intérieur, ce qui est cool, c'est que bah, la bouteille, je peux la garder et je peux mettre un nouveau sachet à l'intérieur. D'abord, on a la poudre pour nettoyer en cuisine. Ensuite, il y a la poudre pour nettoyer en salle de bain. Ensuite, il y a le liquide vaisselle en poudre. Et en dernier, il y a la recharge de gel WC en poudre. Dernier produit, il y avait aussi ces deux paquets de lessive en poudre. Il y avait des petits accessoires, donc des petites dosettes comme ça en bois pour la lessive. Et cette petite brosse pour faire la vaisselle. Bon bah voilà, c'était le petit unboxing Everdrop. Everdrop qui sponsorise cette vidéo. Donc encore merci à eux de m'avoir envoyé tous ces petits produits pour que je puisse réduire mes déchets issus de mon ménage que j'ai fait assez régulièrement. Bah c'est parti, go faire le ménage. J'ai fini de remplir tous les petits flacons. C'est trop mignon parce qu'ils sont tous colorés, genre vert, rose, violet, blanc. Je trouve ça trop mignon. J'ai l'impression que ça a romantisé mon moment ménage. J'aime trop, c'est trop chou. Je viens de terminer ma séance ménage et vraiment l'appartement en avait bien besoin. Très honnêtement, je suis agréablement surprise par les produits Everdrop. Mon produit coup de cœur, c'est le produit pour nettoyer la cuisine. Ça nettoie bien, ça dégraisse bien. Et surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que les produits n'ont pas une odeur chimique et toxique. Personnellement, j'ai trois critères quand j'achète des produits d'entretien. C'est qu'il faut que ça soit efficace, naturel et que l'odeur soit douce et que ça prenne pas au nez comme certains produits d'entretien. Ce qui est top, c'est que si vous voulez tester la marque, j'ai un petit code promo à vous partager. C'est le code Claire Or qui vous offre jusqu'à moins 35% de réduction jusqu'au 13 octobre. Et passé cette date, il y aura un autre code promo qui vous permettra d'obtenir moins 10% de réduction. Je mettrai toutes les informations en description ainsi que le lien vers le site Everdrop. Bref, voilà voilà, j'adore ce genre de journée un petit peu reset. J'ai l'impression de repartir sur de bonnes bases, de repartir à zéro. Et ça m'a fait trop plaisir de partager ce petit moment de nettoyage avec vous. Personnellement, c'est le genre de contenu que j'adore regarder. Je trouve que c'est hyper satisfaisant et hyper agréable à regarder. Là, je suis bien KO, donc clairement, je vais passer la soirée tranquille et on se voit demain. Bisous! Come away with me. Je reviens tout juste de la brocante et je vais vous montrer ce que j'ai chiné. Je suis trop contente. Alors, dans un premier temps, j'ai chiné ce magnifique pichet Ricard pour ma sœur parce que ça faisait un petit moment qu'on en cherchait une. Je me suis chiné ces jolies petites tasses en céramique. Absolument magnifique. J'aime trop ces petites nuances de crème et ces petites taches bleues. C'est sûr qu'à midi, je vais boire mon café dedans. Je les trouve trop belles. Come away with me, and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't stand us with their lives. Cloudy day in fields
where the yellow grass grows. Ce matin, j'ai prévu d'enregistrer un épisode de podcast. Et oui, la saison 2 de mon podcast démarre. Si vous le saviez pas, oui, j'ai un podcast. Ça fait à peu près un an qu'il existe et je suis trop contente. C'est un format que j'adore. J'avais laissé un petit peu de côté pendant tout l'été. Genre depuis mai, j'avais pas enregistré d'épisode de podcast. Et j'avoue que je me suis pas non plus énormément mis la pression par rapport à ça, parce que j'ai vraiment voulu développer ma présence sur Instagram et ici pour passer des moments très réconfortants avec vous. Et je sais que le podcast a un format que vous aimez bien aussi, donc j'ai vraiment envie de m'y remettre. Mais ça reste un exercice qui est assez compliqué pour moi, le fait d'enregistrer un podcast, pas forcément, mais c'est surtout de le monter en fait, d'écouter ma voix et de faire un montage. En fait, je crois qu'on se rend pas compte quand on regarde des vidéos YouTube, même moi avant quand j'étais pas créatrice de contenu, je m'en rendais pas forcément compte. Quand je regardais des youtubeuses ou même des instagrammeuses faire leurs vidéos, j'avais vraiment l'impression que bah, c'était hyper simple et tout. Mais vraiment, on se rend pas compte, se filmer quotidiennement et tout le temps travailler en fait sur son image, sur sa tête, voir sa tête tout le temps. C'est compliqué parfois, mais bon, j'avoue que j'apprends à lâcher prise petit à petit par rapport à ça. J'ai l'impression que je me prends beaucoup moins la tête. Pour moi, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel, beaucoup plus authentique. Et je pense que ça se ressent aussi dans mes vidéos, dans la manière dont je m'exprime avec vous et dans la manière dont je filme les choses. Même si j'ai toujours été authentique depuis le début dans mes vidéos, j'ai l'impression de l'être de plus en plus, enfin en tout cas, d'être de plus en plus à l'aise. Et j'espère que ça se ressent. L'épisode de podcast que je vais enregistrer ce matin, il a une saveur assez particulière parce que parfois, j'ai du mal à m'écouter, même si j'arrive de plus en plus. Ben, parfois j'ai encore du mal à m'écouter, j'ai encore du mal à dire non pour certaines choses. Et j'avais vraiment envie d'enregistrer un épisode de podcast à ce sujet. Si vous voulez, je vous mettrai les infos en description pour accéder à mon podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et c'est vraiment un lieu d'échange dans lequel je partage des sentiments, des émotions, mon expérience personnelle. Et j'ai pas envie que mon podcast soit un lieu de divertissement. Au contraire, je veux vraiment que ça soit un outil qui vous aide à aller mieux, à ralentir. Si vous avez envie d'écouter mon podcast, je vous invite à cliquer dans le lien en description. J'ai déjà fait des épisodes sur l'hypersensibilité, la gestion des émotions, sur le fait que l'amour n'est pas parfait, sur le voyage solo aussi. Et bref, j'ai déjà enregistré pas mal d'épisodes qui sont disponibles sur mon podcast. Je vais ressortir mon micro, ça fait des mois que j'y ai pas touché. Ça va me faire du bien, je pense, d'enregistrer un petit épisode de podcast. Et j'ai hâte de vous partager ça. J'ai enregistré le podcast et là il est 15h, je suis allée faire quelques courses parce que je veux faire un crumble aux pommes pour ce soir. Je sais pas, non mais tu serais pas un peu une forceuse toi? Je vais aller acheter quelques pommes, je vais voir ce qui reste dans mon frigo, mais je pense qu'il va me falloir du beurre aussi parce que je dois plus en avoir beaucoup. Parce que je suis une grosse consommatrice de beurre, surtout pour le petit déjeuner, j'adore ça. Puis même comme je fais pas mal de gâteaux, de pâtisseries, ça passe très très vite. Je vais regarder ma recette juste avant de partir pour être sûre de rien oublier, parce que ça m'arrive des fois d'aller au magasin et d'arriver ici et de me dire oh, mince, genre j'ai oublié, j'ai plus de farine et je peux pas faire mes gâteaux. Ça m'arrive tout le temps, c'est affreux. Il pleut et je n'ai pas pris de parapluie comme d'hab. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour le crumble aux pommes, mais je suis allée dans le rayon chinoiserie et j'ai acheté plein de petits trucs sympas parce que ça m'a trop donné envie de faire des pad thai pour ce soir. J'ai pris des crevettes, de la sauce nyok mam, j'ai pris de la sauce pad thai, comme ça j'ai pas besoin de faire trop de mélange de sauce,
Normalement, j'ai regardé une recette, il faut juste mélanger la sauce pad thai avec la sauce New York Mam. Et ensuite, j'ai pris, parce que j'aime bien quand c'est un petit peu épicé, de la sauce de piment. Donc, c'est une sorte de purée de piment. Pour le crumble aux pommes, j'ai racheté du sucre cassonade parce que j'en avais plus. J'ai pris de la petite cannelle en poudre aussi parce que je crois que j'en ai plus. D'ailleurs, j'ai même pas regardé, je suis sûre que dans mes épices, j'en ai, mais j'avais trop peur de pas en avoir. Donc, j'en ai repris. Puis, de toute manière, ça va m'accompagner tout l'automne, ça. Clairement, la cannelle en poudre sur les tartes aux pommes, les crumbles aux pommes. Cinnamon roll et tout ça, trop important. Ensuite, j'ai acheté des pommes. Donc, pour le crumble aux pommes, j'ai acheté des pommes Canada. Je trouve qu'elles vont bien dans les desserts comme crumble aux pommes. Allez, c'est parti. J'ai envie d'être bien pour faire mon dessert, donc je vais m'en mettre en pyjama. On est vendredi, ce matin je me suis fait plaisir, en promenant Vénus, je me suis arrêtée à la boulangerie et je me suis acheté un croissant, il était vraiment excellent et je suis trop contente parce que ce matin je bois mon café dans mes nouvelles petites tasses, c'est trop chou, vraiment j'aime trop et elle matche trop bien avec moi et elle matche trop bien avec mon intérieur, bref je suis trop contente d'avoir chiné ces petites tasses. Ce matin, j'ai pas mal de taf. J'ai un rendez-vous avec mon agent, il faut que je monte une vidéo YouTube et je vais aller courir. Je vais commencer cette journée avec le rendez-vous que j'ai avec mon agent. Ensuite, je vais aller courir et ensuite, je vais faire du montage sur ma tablette. Donc, je vais passer une grosse partie de la journée sur les écrans. Et ce soir, j'avoue que j'aimerais bien sortir, boire un verre avec mon chéri. Je trouve ça trop mignon, vraiment. C'est trop mignon. Je trouve ça étrange parce que sur... Miam, 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 miam. On est samedi et qui dit samedi dit faire le plein de courses parce que le frigo est clairement vide. Donc là, on allait faire quelques courses avec mon chéri et j'avais trop envie de vous faire un petit retour de course. J'aime trop ça. Je vais commencer ce retour de course avec les fruits et légumes. Donc j'ai pris deux mangues, j'adore les mangues. Il y en a une qui est un petit peu mûre et l'autre pas trop. Donc je vais devoir attendre quelques jours pour la manger. C'est un de mes fruits préférés, donc quand j'ai vu des mangues, je me suis dit, faut que j'en achète. Ensuite j'ai pris des petits kiwis parce que c'est des fruits qui sont trop bons. J'aime bien manger le matin. Il y a plein de vitamines et j'adore les kiwis. Ensuite, j'ai pris des pommes Canada. C'est celle que j'ai utilisée pour mon crumble aux pommes d'ailleurs cette semaine. Ensuite, j'ai pris des petits citrons verts pour faire si jamais je veux refaire une recette thaï cette semaine. Comme fruit, j'ai aussi acheté un filet d'orange à jus parce que j'adore boire du jus d'orange frais le matin. C'est trop trop bon. Et après, en légumes, j'ai pris des petites carottes, des poivrons rouges
et des champignons parce que je vais faire un risotto aux champignons la semaine prochaine. Et voici les produits frais. J'ai acheté du lait entier parce que c'est le lait que je préfère quand je bois mes cafés, latte. Ensuite, on a pris des œufs, du beurre de baratte. Celui-ci est vraiment excellent, je le trouve trop trop bon. Y a pas mal de produits ici qui viennent de chez Grand Frais. C'est une de mes enseignes préférées. Et ils ont pas mal de produits très chouettes. Notamment le lait, le beurre, la mozzarella, le yaourt grec, celui-ci. Incroyable, trop trop bon. J'ai aussi pris du comté. Fruité, la crème fraîche, du fromage à tartiner. Et ça, c'est une nouveauté. Mon chéri a voulu tester. Donc, c'est du skyr à boire, fruits rouges. Chez Grand Frais, on a aussi pris ces pâtes à pizza qu'on adore. En vrai, quand on n'a pas le temps ou qu'on a la flemme de cuisiner le soir, il y a juste à mettre de la sauce tomate dessus au four. Après, une fois que ça sort du four, on rajoute de la mozzarella ou du jambon dessus. Et après, dans le sachet que vous voyez là-bas au fond, c'est du saumon. Et voilà, petit retour de course sympathique. Fait gris dehors, c'est assez apaisant, donc voilà, l'automne vraiment est en train de s'installer. Ça fait trop plaisir, ça fait chaud au cœur, je trouve, j'adore ces petits moments cosy et cocooning qu'on peut avoir en automne. C'est le moment où on peut remettre des petites tenues cosy. Bref, j'adore l'automne. J'espère que ça vous a fait vraiment plaisir de passer une semaine avec moi dans ma petite vie, assez banale. Mais me voilà, on a passé des petits moments très sympas ensemble. C'était assez simple. Mais moi, personnellement, c'est la vie que j'aime. C'est apprécier les petites choses simples du quotidien, vous le savez. Et voir le merveilleux dans l'ordinaire, tout ça, tout ça. Comme je vous disais, c'est la première fois que je tourne ce genre de vidéo, donc je vous emmène une semaine avec moi. Et vraiment, j'ai kiffé faire ça, donc c'est un contenu que je pense que je vais faire assez régulièrement. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à vous montrer des petits bouts de mes journées au quotidien. J'espère vraiment du fond du cœur que vous avez apprécié passer ces petits moments doux avec moi. Et on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner et surtout activer la cloche pour pas rater les vlogs qui arrivent prochainement. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vraiment ça me fait trop plaisir de vous lire. On se dit à bientôt !